Comme je disais tout à l'heure, les politiques ont une responsabilité importante. Il faut s'emparer des leviers pour appliquer les politiques qui sont nécessaires à nos nations et à nos pays. Et la désislamisation, à un moment donné, elle est dans les discours, elle est dans nos têtes, elle est un concept, mais elle doit à un moment être prise, être adaptée et être adoptée dans les discours politiques. Et il se trouve qu'aujourd'hui, événement exceptionnel, nous avons le responsable d'un parti politique prêt à soutenir ce projet, l'adopter dans son discours, l'intégrer à son programme. Et c'est Karim Ouchik que j'appelle à ce micro, président du CIEL. Un homme dont je salue ici le courage politique, la capacité à parler vrai et à oser franchir la barrière du politiquement correct aujourd'hui, handicapant pour toute la classe politique. Bravo Karim Ouchik. Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre la parole et je remercie Alain Wagner d'avoir bien voulu m'accueillir pour apporter une contribution en tant que responsable politique. Ce n'est pas en tant que citoyen ni en tant qu'avocat au barreau de Paris que je prendrai aujourd'hui la parole, mais en tant que responsable d'une formation politique qui s'appelle le CIEL, formation politique qui essaye d'être plutôt du côté de la vague que des bouchons, pour reprendre ton propos de tout à l'heure, cher Alain. Alors, comme des millions de Français, l'islam me pose problème, me pose considérablement problème. Alors, c'est un problème qui est au cœur des préoccupations des Français, autant, je pense, que la question du chômage, la question de l'aggravation de la précarité, de la pauvreté, du déclassement international de notre pays, du décrochage économique de la France. C'est aussi un problème qui est aussi central pour notre pays que celui de constater que notre appareil d'État, au fond, se dépossède de ses capacités de maîtriser le destin de la France, puisque notre appareil d'État, vous savez, étant dépossédé des instruments de souveraineté depuis près de 40 ans, et bien ma foi, les élus sont aujourd'hui bien incapables d'assurer la conduite réelle et effective des affaires du pays, puisque les leviers de commande se trouvent à Bruxelles, se trouvent à Francfort ou se trouvent à Washington. Bref, la France est devenue un drone institutionnel dont le pilotage se fait ailleurs qu'à Paris, et on doit le regretter. Alors, évidemment, la question de l'islam nous pose à tous problème, sans doute parce que nous avons le sentiment que l'islam est un corps étranger, et un corps étranger à la communauté nationale, et qui nous donne, au fond, l'occasion de réfléchir collectivement sur ce qu'est l'être français, ce que nous sommes, quelle est notre appartenance collective. C'est pour ça que je crois que la question de l'islam interroge et interpelle autant nos compatriotes. On sent bien que l'islam n'est pas légitime dans notre pays, un petit peu comme ce passager clandestin qui aurait réussi à pénétrer dans un navire, se serait mis dans les soutes du navire qui peu à peu aurait grimpé les ponts pour récupérer ces ponts et éventuellement pour s'installer dans les cabines avant de s'emparer du poste de commandement. On a l'impression évidemment que l'islam en France est un passager clandestin qu'il nous faut très vite déloger. L'islam est visible partout, en tout cas ses marqueurs identitaires. Il suffit de fréquenter la voie publique, de sortir dans la rue pour constater la multiplication des commerces exotiques, des commerces halal, pour constater la propagation de ces obligations de service de plat halal dans les cantines, le refus de mixité qu'on constate partout dans l'espace public, dans les piscines, dans les hôpitaux, dans les compétitions sportives. Nous constatons aussi la multiplication d'accoutrements vestimentaires qui sont radicalement étrangers aux traditions qui sont les nôtres. Nous voyons de plus en plus de mariages célébrés avec des épouses qui ont été cherchées directement dans les pays d'origine, au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Nous voyons que des vacances se réalisent plutôt dans les pays d'origine que sur le territoire de notre pays, alors que nous avons 1000 richesses à offrir à tous nos compatriotes, y compris de confession musulmane. Nous voyons la multiplication de produits culturels et de centres de vacances réservés. Nous voyons l'érection et la multiplication considérable de prestataires de pompes funèbres, parce que lorsque nos compatriotes de confession musulmane décède, bien souvent il n'est pas inhumé ici en France, mais il est inhumé dans son pays d'origine, ce qui prouve qu'il y a un véritable
problème d'assimilation, lorsqu'on désire plutôt être inhumé dans le pays de ses ancêtres, le pays de ses parents, et non pas être inhumé dans le pays où vous êtes né, ça veut dire qu'il y a un vrai divorce avec l'appartenance à la communauté nationale. Donc nous voyons très clairement une multiplication considérable de ces marqueurs identitaires et qui participent, de mon point de vue, à cette angoisse identitaire, à ces préoccupations identitaires éminemment anxiogènes. Alors ce phénomène nous apparaît inexorable, tout simplement parce qu'il est doublement alimenté. Il est alimenté d'abord par les flux de l'immigration de masse, qui ne cesse évidemment de gonfler, et qui livre au territoire national des bataillons de fidèles, qui pratiquent tous un enfermement communautariste. On sait bien que la France a eu, jusqu'au XIXe siècle, une composition ethnico-culturelle relativement homogène. Il y avait un équilibre ethnico-culturel qui a été jusque à l'orée du début du XXe siècle tout à fait constant, et les changements sont intervenus à partir des années 1914, puisqu'entre 1914 et 1970, pour essayer de brosser de manière assez rapide un tableau devant vous, vous avez une immigration économique. Dans un premier temps, entre 1914 et 1960, l'immigration était essentiellement composé de travailleurs venant de Belgique, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Pologne, oui, tout à fait, des compatriotes d'origine polonaise ont œuvré au redressement du pays après la Première Guerre mondiale de façon tout à fait considérable, on doit le relever, et ces immigrés venaient du même ère de civilisation, des pays de culture chrétienne, qui donc conduisaient les immigrés de l'époque en s'installant en France, au bout d'une ou deux ou trois générations, à s'assimiler sans aucune difficulté. La mutation s'est opérée à partir des années 70, lorsque cette immigration économique s'est transformée au bénéfice de migrants venant d'Afrique du Nord, et d'Afrique subsaharienne, qui pour l'essentiel sont de confession musulmane. À cette immigration économique s'est substituée une immigration familiale dans les années 70, c'est la fameuse modification d'initiative qui a autorisé le regroupement familial et qui a, dans des proportions tout à fait considérables, augmenté les flux migratoires. Et puis vous avez maintenant, depuis 4 à 5 ans, à la faveur du chaos migratoire qui frappe notre continent européen, ce qu'on appelle l'immigration de peuplement. Donc premier phénomène qui alimente cette angoisse identitaire et au fond cette expansion sans limite de l'islam, c'est les flux migratoires. Deuxième phénomène, ce sont les leviers politico-institutionnels qui sont à l'œuvre depuis bien des décennies. D'abord, le levier des droits de l'homme. Les droits de l'homme, vous savez, sont un texte, ce sont des dispositions, des normes qui autorisent, avec des principes tout à fait abstraits, consignés pour la plupart dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une application absolue de la liberté du culte. C'est une des portes d'entrée, en quelque sorte, d'expression et d'expansion de l'islam en France. Vous avez aussi l'idéologie multiculturelle qui place toutes les cultures sur un même pied d'égalité, dans les médias, dans l'enseignement. Toutes les cultures se valent, aucune ne doit être hiérarchisée, comme si aucune de celles-ci n'avait par rapport aux autres une légitimité historique. C'est aussi une des formes de tête de pont qui permet à l'islam de s'épanouir sans difficulté sur notre territoire. Et puis vous avez un troisième levier politico-institutionnel, politico-juridique, c'est le levier de la laïcité, qui est un principe qui, à mes yeux, a été tout à fait dévoyé, qui avait été conçu à l'origine, en 1905, sans parler des arrière-pensées, évidemment, de ses promoteurs à la Chambre des députés, avec cette volonté d'assurer une séparation stricte d'avec les pouvoirs publics, les pouvoirs publics étant limités au fond à exercer un contrôle des cultes simplement pour s'assurer de l'égalité des cultes entre eux, une neutralité des pouvoirs publics à l'égard des cultes, mais ce principe a été dévoyé tout simplement parce que ça a été l'instrument d'une relégation de notre héritage chrétien, de la foi chrétienne, au fort intérieur. Une manière aussi de mettre à distance l'héritage chrétien, la composante chrétienne de notre histoire, au fond, une mise à l'écart, une mise à distance qui a été pratiquée grâce à l'application tout à fait dévoyée et que je qualifierais pour ma part de tout à fait scandaleuse
du principe de laïcité. Donc c'est le troisième levier qui, à mes yeux, de manière tout à fait puissante, autorise et permet l'expansion de l'islam en France. Alors, face à une telle situation, ce tableau que je viens de vous tracer, je pense que vous êtes tous d'accord pour le partager avec moi, eh bien, vous avez des responsables politiques qui l'abordent de différentes manières. La question de l'islam en France et la question de la manière dont on doit se gendarmer contre ce phénomène extrêmement anxiogène. Vous avez ceux qui ignorent le problème, pour qui la question de l'islam n'existe pas. Alors je vais donner des noms, comme ça sera beaucoup plus clair, plus expressif, en tout cas dans mon esprit, vous comprendrez quel est le sens de mon propos. Bah, parmi ceux qui ignorent le problème, j'estime que Nicolas Dupont-Aignan ou Henri Guénaud n'en parlent pas. On parle beaucoup de souverainisme, des fondamentaux du souverainisme, que sont le retour de l'euro, le retour du franc, le retour des frontières, de notre budget, mais rarement ou jamais de la question de l'islam, comme si la question identitaire ne se posait pas. Vous avez parmi les responsables politiques ceux qui l'encouragent, l'expansion de l'islam. C'est la gauche dans son ensemble, mais ça va jusqu'à l'UDI, en passant par Emmanuel Macron. Troisième catégorie de responsables politiques, vous avez ceux qui s'en accommodent, ceux qui s'accommodent sur le territoire de la République de la présence de l'islam et qui font tout pour laisser prospérer d'une certaine manière l'islam. Alors c'est évidemment, à mes yeux, le leader, le chef de file entre tous, c'est Alain Juppé, qui est à Bordeaux pratique une politique d'accommodement avec l'islam qui me paraît tout à fait déplorable, mais aussi d'une certaine manière, je dois le dire, et je l'ai dit ici ou là dans mes écrits, Marine Le Pen, qui n'a pas hésité en septembre dernier à déclarer sur un plateau de télévision que l'islam était compatible avec la République. Alors qu'à mes yeux, là, l'islam n'est compatible ni avec la République, ni avec la France, pour des raisons que je dirai tout à l'heure, peut-être plus dans le détail. Donc là, c'est une façon aussi, d'une certaine manière, de s'accommoder d'une situation de données qui ne me paraît pas acceptable. Et puis, vous avez une quatrième catégorie, c'est ceux qui pensent que l'islam pose problème. L'islam me pose problème, je suis médecin, je pose un diagnostic, mais je suis incapable de donner les solutions à ce problème. Moi, médecin, je suis incapable de donner une thérapie, de remplir la feuille d'ordonnance. Bah, parmi ces responsables, vous avez Jean-Frédéric Poisson et puis M. Fillon, qui l'un et l'autre diagnostiquent l'existence d'un problème, mais sont parfaitement incapables de vous donner des solutions aux problèmes qu'ils ont par ailleurs diagnostiqués. Au fond, pardon madame ? Une petite piqûre. Une petite piqûre de rappel. Au fond, le point commun de tous ces responsables, c'est cette volonté, forme d'arrière-pensée en quelque sorte, que je dénonce, une volonté de cultiver, sous forme d'arrière-pensée, des relations avec une communauté musulmane qui est devenue, au fil des décennies, un réservoir électoral tout à fait considérable. Et comme tout réservoir électoral, eh bien, les hommes politiques cherchent évidemment à le caresser dans le sens du poil. Il s'agit évidemment de s'accommoder de cet immense réservoir électoral, diffusé et en quelque sorte s'attirer les bonnes grâces de cette communauté musulmane. Et puis vous avez une cinquième catégorie de responsables politiques, et je m'honore d'en faire partie avec le ciel, c'est ceux qui considèrent que l'islam est un problème et qui placent la lutte contre l'expansion de l'islam au cœur de leur action politique. Donc là, Alain, que je me situe plus du côté de la vague que du bouchon, et je crois que mes états de service, les actions que je mène tous les jours sur le terrain, en témoignent très largement. Alors, combattre l'islam, pour entrer maintenant dans le fond du sujet, et parler des marqueurs identitaires de l'islam, suppose de poser un diagnostic très clair sur ce phénomène. L'islam nous pose problème parce que nous savons tous que ce n'est pas qu'une religion, ce n'est pas simplement qu'un rapport transcendantal à Dieu, qu'un rapport intime à la foi. Nous savons tous que l'islam est aussi un modèle politique, un modèle juridique, un modèle politico-juridique, qui repose sur un certain nombre de prescriptions, de contraintes, de normes, de tabous, de modes de vie, bref, un carcan mental, mais aussi un rapport à autrui, qui enferme l'individu, y compris l'individu qui est peu pratiquant, ou moyennement pratiquant, du berceau jusqu'au linceul. C'est ça, ce carcan mental, c'est ce rapport à autrui, c'est ce rapport au monde que constitue au fond ce mode de société, ce mode de civilisation que
notre ami Alain a parfaitement raison de résumer sous le terme de charia. La charia, c'est l'intégralité de ses normes, de ses coutumes, de ses modes de vie qui enferment l'individu du berceau jusqu'au linceul. Et c'est à cela qu'il faut évidemment s'attaquer. Et il faut donc poser le diagnostic qu'il est extrêmement contraignant, voire impossible d'interdire l'islam, car on ne peut pas interdire une foi, comme on ne peut pas interdire une opinion, comme on ne peut pas interdire une conviction intime qui relève du fort interne, et par conséquent, il est radicalement impossible, et ceux qui vous disent que c'est un slogan politique tout à fait acceptable se trompent et vous trompent, on ne peut pas interdire une foi, en revanche, on peut interdire un mode d'expression de cette foi lorsque ce mode d'expression est radicalement étranger au mode de civilisation qui est le nôtre. Pourquoi la charia est-elle contraire au mode de civilisation qui est le nôtre? Parce que la charia organise, mes chers amis, un rapport au monde qui est tout à fait étranger à notre propre rapport au monde, celle de la civilisation européenne, celle de la culture française. Car notre modèle de civilisation repose sur quelques principes fondamentaux qui vont vous parler parce que je vais vous les décliner très simplement. C'est d'abord le respect absolu de la dignité humaine, la liberté d'opinion et de conscience qui permet notamment, pour ceux qui souhaitent quitter la foi musulmane, embrasser la foi catholique, eh bien c'est tout à fait possible dans notre civilisation européenne qui acclimate ce droit à la liberté de conscience et la liberté de conversion. L'égalité homme-femme est un principe absolu, un principe intangible qui structure notre univers de pensée. Le respect des plus faibles, y compris de la vie animale, c'est aussi un principe important qui habite notre univers collectif, notre univers mental. Et aussi, d'une certaine manière, la sécularisation de l'espace public. On peut évidemment estimer que ce phénomène a entraîné un certain d'abus aux dépens notamment du christianisme, mais globalement, dans le temps et dans la durée, c'est quand même un progrès de considérer que les affaires religieuses doivent être traitées séparément des affaires terrestres et que le gouvernement a son aire et son espace d'expression et l'Église a son espace et son aire d'expression. Cette sécularisation, c'est un progrès considérable. Or, ces principes qui gouvernent notre modèle de civilisation, nous ne les retrouvons pas dans le modèle de civilisation islamique. Et s'il est du devoir des responsables politiques, encore une fois, de ne pas empêcher la croyance de chacun au fort interne, il est du devoir de tous les responsables politiques d'empêcher que cette charia de s'enraciner en France et en Europe. Et je dis que c'est évidemment le combat premier qui s'impose à nous. Alors, comment interdire les modes d'expression extérieurs que sont la charia? Ça a été indiqué tout à l'heure par mon excellent confrère du barreau de Bruxelles. Il y a évidemment dans notre droit tout un arsenal juridique parfaitement disponible, tout à fait opérationnel. Lorsque vous avez des faits de polygamie qui se pratiquent, on sait que notre droit interdit la polygamie, car notre droit, nos règlements, notre jurisprudence impose en matière de célébration de mariage la monogamie. La nourriture halal, nous pourrions considérer à juste titre que nous disposons de dispositions de règles légales, de normes, nous permettant de faire appel à la sécurité alimentaire ou aussi à la souffrance animale, au respect de la vie animale, pour interdire aussi la nourriture halal. Lorsque vous avez des accoutrements vestimentaires tout à fait scandaleux, où vous voyez des dames bâchées de la tête aux pieds, c'est une manière de se comporter, d'avoir un rapport à autrui qui heurte le principe de la dignité des femmes. Et vous avez dans notre droit des dispositions qui protègent la dignité des femmes. Et vous avez enfin, en ce qui concerne le refus de la mixité dans les hôpitaux, dans les écoles et dans les piscines, vous avez des dispositions qui protègent également l'égalité femmes-hommes. Donc il ne faut pas s'ingénier à découvrir des dispositions qu'il faudrait inventer, sur lesquelles il faudrait légiférer. Nous disposons de cet arsenal juridique. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. La volonté politique n'est pas au rendez-vous pour qu'un gouvernement qui serait suffisamment courageux pour
prohiber ces écarts de conduite individuels, ordonne aux forces de police, aux forces de l'ordre et ordonne au parquet d'engager des poursuites et de faire condamner ces écarts de conduite. C'est ça qui manque. Les normes sont au rendez-vous, c'est la volonté politique qui ne l'est pas. Je souhaite, si Alain me le permet, au-delà de cette analyse que je viens de faire très rapidement des normes qui existent et qui permettent de prohiber les écarts de conduite individuels, l'application concrète individuelle à charia, aller plus loin dans mon propos. Je pense qu'il faut s'engager dans un combat métapolitique. Je crois que face à la dynamique de conquête de l'islam, il nous faut opposer une volonté farouche, une volonté politique d'affirmer notre modèle de civilisation et notre volonté de protéger ce modèle de civilisation. Car au-delà des comportements individuels, il faut affirmer ici dans notre pays, mais partout ailleurs en Europe, que l'islam, dans son expression actuelle, n'est pas la bienvenue sur notre territoire et en Europe. Pose problème et que seule cette religion pose problème dans notre pays, il nous faut appliquer à l'égard de cette religion un traitement différencié et ne pas, sous prétexte d'appliquer le principe absolu sacro-saint de l'égalité de tous les cultes, mettre sur le même plan la religion chrétienne, le culte musulman ou même le culte juif. Et donc plusieurs mesures peuvent être prises de ce point de vue pour ce gendarmer et se réarmer de manière spirituelle et morale. D'abord, il faut arrêter de manière définitive toute forme d'immigration qui constitue, je l'ai dit tout à l'heure, un réservoir qui alimente l'islam de manière considérable. Il ne sert à rien de vouloir lutter contre l'expansion de l'islam en France si, dans le même temps, le nombre de fidèles musulmans ne cesse de croître. Donc il faut logiquement arrêter définitivement toute forme d'immigration économique, étudiante, l'immigration nuptiale, toutes ces formes détournées qui alimentent la présence en des quantités toujours plus considérables des fidèles musulmans sur notre territoire français. Je suggère aussi, au-delà de cette disposition importante qui est l'arrêt définitif de l'immigration, la mise sous tutelle de l'exercice du culte musulman en France pour une période indéterminée. Cette mise sous observation se ferait au travers de l'administration autoritaire de ce culte et qui reposerait sur quelques principes que je vais vous développer très rapidement. Je suggère un moratoire sur la construction de toute mosquée. Plus aucune mosquée ne doit être construite à partir d'aujourd'hui. J'entends également que chaque nomination ou chaque révocation d'imam, de ministre du culte, relève de la compétence de l'autorité préfectorale. Il nous faut aussi contrôler les prêches. Les prêches ne doivent plus être lus en arabe, mais en français. Et les prêches doivent être contrôlés préalablement à leur proclamation par les autorités préfectorales afin de s'assurer que les prêches en question ne comportent pas à l'intérieur des propos des imams bien des propos qui porteraient atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Ça me paraît être une mesure tout à fait importante. Il faut aussi interdire, de manière définitive, tout financement étranger, tout financement par des puissances étrangères, du fonctionnement du culte musulman en France. Donc, cette manière autoritaire d'organiser le culte musulman, je dis le culte musulman et pas la foi musulmane, vous avez bien compris le distinguo que j'opère devant vous, suppose de réorganiser complètement le culte musulman sur notre territoire, sur le modèle du consistoire israélite qui avait été organisé par Napoléon Ier sous le Premier Empire, qui suppose, sur des logiques avec ce propos, de supprimer le CFCM, qui a fait la preuve de son inefficacité et qui est plutôt aujourd'hui le théâtre d'affrontements de puissances étrangères qui, au travers de cette institution, essayent d'occuper des espaces politiques de puissance au travers de la communauté et la diaspora musulmane. Il faut impérativement procéder au démantèlement du CFCM. Pour le remplacer par quoi ? Pour le remplacer par une structure qui serait organisée de manière départementale et de manière nationale. De manière nationale, vous auriez des représentants triés sur le volet par le gouvernement
désignés par le gouvernement au regard de la fiabilité des intéressés, de la garantie qu'ils pourraient apporter quant à leur loyauté à la communauté nationale. Au plan départemental, chaque préfet aurait soin de chercher dans le département considéré des représentants capables d'assurer une représentation du culte musulman à l'échelle départementale. Et avec une telle organisation, à la fois départementale et nationale, donc une organisation pyramidale, vous auriez, sur le modèle du culte israélite, un interlocuteur réel, un interlocuteur durable et un interlocuteur fiable. Alors pourquoi réclamer, mes chers amis, la mise sous tutelle du culte musulman et la nécessité pour notre gouvernement, pour notre État, de confectionner, de créer un interlocuteur de toutes pièces qui n'existe pas? Bien parce que moi je souhaite que le culte musulman puisse être mis sous observation pendant une période indéterminée. Car je crois qu'au fond, il y a deux appartenances à distinguer. La première ne me suffit pas, la seconde est un idéal à atteindre. La première appartenance, c'est l'appartenance citoyenne. Le fait de payer les impôts, le fait de respecter la loi, le fait d'aller voter, c'est très bien. Et on doit tous, justement, accomplir ses devoirs citoyens. Mais ça ne suffit pas. Pour être complètement français, en tous les cas à mes yeux, il faut non seulement appartenir à la communauté citoyenne française, mais il faut aussi avoir une appartenance charnelle, une appartenance culturelle, une appartenance identitaire. Il nous faut donc réclamer de nos compatriotes de confession musulmane, non seulement qu'ils puissent respecter leur appartenance citoyenne, ce qu'ils font pour la plupart d'entre eux, mais qu'ils démontrent également qu'ils font parfaitement partie de la communauté nationale d'un point de vue culturel et qui se sont parfaitement assimilés d'un point de vue identitaire. Or, ce travail-là, cet exercice qui consiste à vérifier dans le temps que la communauté musulmane française a accepté de s'intégrer d'un point de vue culturel et identitaire à notre pays, ça ne prendra pas 15 jours, ça ne prendra pas un mois, ça prendra bien des années. D'où l'utilité de mettre sous tutelle l'exercice de culte musulman tant que la communauté musulmane n'aura pas trouvé ses marques, n'aura pas trouvé ses marques d'un point de vue culturel et identitaire dans notre pays. Alors, il faut aussi savoir quand même, mes chers amis, si on exige cela de nos compatriotes de confession musulmane, savoir aussi balayer devant notre porte. Parce que si on exige à nos compatriotes de confession musulmane d'adhérer, de s'assimiler, de s'intégrer dans le creuset national d'un point de vue culturel et d'un point de vue civilisationnel, encore faut-il s'interroger sur ce modèle de société que nous leur proposons et se demander si ce modèle que nous leur proposons est idéal, s'il n'est pas en perte de sens et s'il n'y a pas justement, en ce qui concerne notre modèle social que nous présentons, notre modèle de civilisation, des insuffisances qu'il nous faudrait combler. Et moi je suis convaincu qu'il faut corriger le tir. Je pense qu'effectivement, nous devons nous livrer nationalement, c'est un travail d'envergure qu'il nous faut réaliser un petit peu à l'image de ce qu'avait fait le président Sarkozy il y a quelques années, mais lui, à des fins purement politiciennes. Je crois que nous, il nous faut nous emparer de ce débat à des fins métapolitiques. Il nous faut nous livrer à ce travail d'introspection qui consiste à nous dire, en 2017, qu'est-ce que la France? Qui nous sommes? Qu'est-ce que l'être français? Est-ce que la France, au fond, se résume-t-elle à la République? On nous dit souvent, mais la France, c'est la République. La France, c'est les valeurs de la République, la France, c'est la laïcité. Au fond, c'est un régime institutionnel qui se confondrait avec la France. Cette définition de la France, à mes yeux, est notoirement insuffisante, car la France, pour moi, comme pour vous tous, c'est une terre, c'est des hommes, c'est une histoire, c'est des églises, c'est des cathédrales, c'est une langue, c'est une gastronomie, c'est un art de vivre, c'est un univers de pensée, c'est un rapport charnel. Et aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas réalisé à quel point le modèle de société que nous offrons à nos compatriotes, musulmans ou pas musulmans, est parfaitement insipide, parfaitement aseptisé. Il nous faut donc revitaliser ce modèle de société. Il nous faut donc le réenchanter. Et je crois que pour réenchanter notre modèle de civilisation, il faut se livrer à un travail d'introspection et au fond dire qui nous sommes. Et qui nous sommes, ça veut dire, au fond, ne pas nier notre passé. Et dans notre passé, ne pas oublier que nous avons une composante considérable dans l'héritage qui est le nôtre, qui est la composante chrétienne. Dès l'instant où notre pays aura réalisé qu'au fond, notre histoire
est absolument indissociable de l'héritage chrétien, nous aurons réussi à réenchanter le modèle de civilisation français, à le revitaliser. Et j'en termine en disant, parce qu'on me demande de presser le propos, que ce travail qui consistera, ce travail, comme disent les théologiens, d'anamnèse, d'introspection sur soi-même, devra déboucher sur des mesures très concrètes. Moi, je suggère que dans le préambule de la Constitution 58, on puisse clairement incorporer les racines chrétiennes de la France, qui ne sont pas exclusives. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que la France se résume aux seules racines chrétiennes. Il y a des racines gréco-latines, des racines qui nous viennent des Lumières, mais à mes yeux, elles sont marginales. La composante essentielle de l'histoire et de l'héritage français, c'est sa composante chrétienne. Il faut donc l'inscrire dans la Constitution 58. Tout comme il nous faut procéder à la refonte en profondeur de la loi de 1905. Parce que si nous voulons assurer une prééminence du fait chrétien, parce que nous accordons un privilège de civilisation au christianisme, il faut que la loi de 1905 puisse prendre en compte cette inégalité, en quelque sorte culturelle. Il y a égalité des cultes sur notre territoire français, mais il n'y a pas égalité des religions devant la mémoire. Et il nous faut donc procéder à la refonte de la loi de 1905 pour intégrer cette évidence. Tout comme il nous faudra bien intégrer dans la loi de 1905 le fait que, à mes yeux, il nous faut traiter différemment l'islam des autres religions. Il y a une religion qui pose problème, et bien cette religion qui pose problème doit être traitée différemment. C'est ce que moi j'appelle le traitement différencié de l'islam. Je ne veux pas, comme certaines personnalités juridiques, politiques ont pu le dire voici quelques temps, que sous couvert des écarts de conduite dont certains fidèles musulmans confèrent l'épisode du Burkini au mois d'août dernier, eh bien on puisse être amené à prohiber le port de la kippa ou le port de la croix. Le port de la kippa ou le port de la croix n'a jamais posé de problème en France parce que ces deux religions ont une légitimité historique et politique tout à fait incontestable. Donc il nous faudra modifier le préambule de la Constitution et la loi de 1905. Alors, cette ambition, et j'en ai vraiment terminé, elle est tout à fait considérable. Chacun en mesure ici la portée. Elle ne sera possible que si nous acceptons de considérer que l'État, les pouvoirs publics, doivent incorporer dans le périmètre des attributions régaliennes qui sont les leurs, cette nécessité du redressement identitaire, de la reconquête identitaire. Il y a évidemment des attributions régaliennes, assurer la sécurité des biens et des personnes, rendre justice, assurer la sécurité de nos frontières grâce à nos forces armées, avoir une diplomatie qui permette à la France de rayonner à l'échelle du pays, mais il doit y avoir une autre compétence régalienne, celle qui consiste à dire que dans la période anxiogène que nous vivons, la France se doit de partir à la reconquête culturelle, à la reconquête identitaire, ce qui suppose un triple courage. Premier courage, vouloir rompre avec un environnement contraignant, il faudra affronter le Conseil de l'Europe, il faudra affronter l'Union européenne, il faudra affronter un certain nombre d'organisations internationales qui vont évidemment nous opposer, un certain nombre de normes juridiques, de conventions pour nous dire ce que vous avez l'ambition de faire n'est pas possible. Mais il faudra affronter ces contraintes en disant nous allons réviser ces engagements internationaux, voire même nous allons sortir de ces engagements internationaux parce que telle est la volonté du peuple français. Deuxième courage, la volonté de redéfinir de manière institutionnelle et de manière juridique, notre modèle de société, et avoir le courage, c'est pas facile dans un État qui est républicain, qui depuis 200 ans vit et est dominé par les droits de l'homme et un certain nombre de valeurs dites de la République, bien dire qu'en France, nous aurons un pays qui reconnaîtra la prééminence culturelle, je ne parle pas d'État confessionnel, la prééminence culturelle du fait chrétien, et qui décidera de manière tout à fait claire d'avoir un traitement différencié de l'islam. Et enfin, j'en ai terminé là, avoir le courage d'affronter les résistances internes, mes chers amis, qui se feront jour de manière inévitable si cette politique que je viens de vous décrire en quelques mots devait s'accomplir dès le mois de mai prochain, parce que nous aurons à ce moment-là dans la rue la mobilisation des syndicats, des enseignants, vous aurez des associations dites de droits de l'homme qui voudront évidemment entraver ce processus-là, vous aurez la presse et les médias qui font se mobiliser, il faudra aussi prendre en compte cette réalité-là et ce genre d'armée contre ces forces et ces résistances internes qui ne manqueront pas de se manifester. Voilà, mes chers amis, les propos que je souhaitais vous tenir en tant que responsable politique, et j'espère que le discours que je viens de vous dire sera demain très largement partagé au-delà de vous-même par d'autres responsables politiques. Je vous remercie.